Avec Willy Revelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Arnold, c'est Willy. Eh oui, Arnold et Willy, je changerai cette intro quand France 2 nous aura dit ce qu'elle a fait des boules noires de Motus. On le sait pas. Aujourd'hui, nous recevons la journaliste Ariane Massenet pour développer avec elle le thème bouleversant de l'amitié. Je préfère ça que de parler d'amour, Ariane. Dans ma vie, je me suis pris tellement de râteaux que je peux ouvrir un Jardiland. Comme tout le monde, par dépit, j'ai téléchargé des applis de rencontre sur mon téléphone, mais le seul truc que j'arrive à monter sans aucun refus, c'est une trottinette. Et encore, il faut que je la paye, ce qui ne me change pas beaucoup. Alors, j'ai bien compris que je finirai célibataire, seul avec mon chat, mais même ça, j'en ai pas. Alors parlons de l'amitié, si vous le voulez bien, parce que ça, j'en ai plein des potes. Tu sais, Ariane, que j'ai 150 000 amis sur les réseaux sociaux. T'en as combien, toi? Moins. T'as les boules, hein, je le savais. Et puis alors, j'ai que des potes bien, que des gens bien. Quand l'autre jour, j'ai demandé qu'on vienne m'aider à déménager... Quelle horreur. Personne s'est déplacé. J'ai bien des amis d'enfance, mais eux, je ne veux pas les voir. Ils ont tellement changé. Putain, ils me foutent le calfar. Tu as déjà vu tes amis d'enfance que t'as pas vu depuis longtemps? Oh, la gueule qu'ils ont aujourd'hui. Moi qui suis toujours jeune et beau. Si, je suis toujours jeune et beau. Bah, je le sais, la semaine dernière, je me suis encore fait enlever par un pédophile. Oh non. Si, ça m'a flatté, je l'ai remercié. Non, qui suis toujours jeune et beau, l'autre jour, dans les rues d'Annecy, tu sais, là où j'ai grandi. Bah, Willy! Maxime! Oui, j'étais avec votre fils Maxime à l'école. Mais non, c'est moi, Maxime Cono. Putain, la gueule qu'il avait. Le gars tout pourri. Tu te souviens de la mort toute moisie de Marion Cotillard dans Batman là? Oui. Bon bah voilà, bah je lui ai fait une Marion Cotillard et je me suis vite barré. Heureusement, s'il y a bien un endroit où on a plein d'amis, c'est le milieu du showbiz. C'est le milieu du showbiz. C'est vrai, on a quand même plein de potes. Entre nous, dans ce métier, t'as un souci, bah tout de suite, les autres te tendent leurs mains. Et le bras qui va avec, évidemment. T'as un gros problème, bah t'appelles tes collègues, hein, tout de suite ils te remontent le moral. Et avec le sourire. Alors de l'extérieur, je sais pas si c'était vrai, mais du temps vous animiez le grand journal, vous aviez l'air d'être tous potes. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, voilà. Ça se voyait avec les échanges en plateau que vous aviez avec Michel Denisot. Alors tout de suite les guignols, Ariane. Oui, je. Merci. Mais avant la météo. Oui, parce que je. Merci. Juste après la pub. Oui, voilà. Voilà. Et ben c'était ça. Voilà. L'amitié, c'est ça. On parle peu et ça veut dire beaucoup. C'est ça. C'est bien pour ça que je vais me taire tout de suite. Ariane Massenet, jusqu'à 13h, on est entre potes. Alors là, tu es tranquille, mais bon, faites gaffe quand même. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. L'ami Willy Revelli sur France Bleu. Retrouvez tout France Bleu sur FranceBleu.fr.